كيف أقول أنا مفلس لا أستطيع حتى دفع فاتورة الكهرباء؟ Oui, très bien. Je suis fauché. Je ne peux même pas me payer la facture d'électricité. Je suis fauché. Je ne peux même pas me payer la facture d'électricité. On a l'adjectif fauché, معناه مفلس. Je suis fauché. Je ne peux même pas me payer la facture d'électricité. الآن استمع لهذه الجملة. Il faut que tu comprennes qu'un tel comportement ne sera pas toléré. Il faut que tu comprennes qu'un tel comportement ne sera pas toléré. Voilà la phrase. Il faut que tu comprennes qu'un tel comportement ne sera pas toléré. En arabe, يجب أن تفهم أنه لن يتم التسامح مع مثل هذا السلوك. Il faut que tu comprennes qu'un tel comportement ne sera pas toléré. Une autre phrase, c'est de l'hypocrisie d'être gentil avec quelqu'un que tu détestes. C'est de l'hypocrisie d'être gentil avec quelqu'un que tu détestes. Voilà la phrase. C'est de l'hypocrisie d'être gentil avec quelqu'un que tu détestes. En arabe, من النفاق أن تكون لطيفا مع شخص تكرهه. L'hypocrisie معناها نفاق. C'est de l'hypocrisie d'être gentil avec quelqu'un que tu détestes. الآن كيف أقول كيف تريد مني أن أشرح إذ أنت لا تتوقف عن مقاطعتي. خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Comment veux-tu que j'explique si tu n'arrêtes pas de m'interrompre? Comment veux-tu que j'explique si tu n'arrêtes pas de m'interrompre? Comment veux-tu que j'explique si tu n'arrêtes pas de m'interrompre? جملة أخرى. هو لديه القدرة على التعبير عن نفسه بعدة لغات. Oui, très bien. Il a la capacité de s'exprimer en plusieurs langues. Il a la capacité de s'exprimer en plusieurs langues. La capacité, يعني القدرة. Le verbe s'exprimer, معناه الشخص الذي يعبر عن نفسه. Il a la capacité de s'exprimer en plusieurs langues. On peut dire aussi, il a la faculté de s'exprimer en plusieurs langues. La faculté, يعني كذلك القدرة. C'est la même chose. الآن كيف أقول ما الذي دفعه إلى إعطاء استقالته؟ كيف نعبر عن هذا التساؤل؟ Oui, très bien. Qu'est-ce qui l'a poussé à donner sa démission؟
Qu'est-ce qui l'a poussé à donner sa démission? On a le verbe pousser, معناه يدفعو. La démission, يعني الاستقالة. Qu'est-ce qui l'a poussé à donner sa démission? On peut dire aussi, qu'est-ce qui l'a conduit à donner sa démission? Qu'est-ce qui l'a conduit à donner sa démission? On peut utiliser le verbe conduire, معناه كذلك يدفع. Qu'est-ce qui l'a conduit à donner sa démission? الآن استمع لهذه الجملة. Il ne s'est pas laissé décourager quand il a perdu son travail. Il ne s'est pas laissé décourager quand il a perdu son travail. Voilà la phrase. Il ne s'est pas laissé décourager quand il a perdu son travail. En arabe, هو لم يفقد عزيمته أو هو لم يستسلم عندما فقد وظيفته. هذه ليست ترجمة حرفية وإنما معنى الجملة. Il ne s'est pas laissé décourager quand il a perdu son travail. الآن كيف أقول هي ما زالت تحت صدمة هذا الخبر الرهيب؟ Elle est encore sous le choc de ces terribles nouvelles. Elle est encore sous le choc de ces terribles nouvelles. Elle est encore sous le choc de ces terribles nouvelles. الآن كيف أقول لقد تأخرت كنت أنا المخطئة. جملة سهلة جدا أصدقائي. J'étais en retard, c'était moi la fautive. J'étais en retard, c'était moi la fautive. J'étais en retard, c'était moi la fautive. Une autre phrase. Elle était si émue qu'elle n'arrivait même pas à retenir ses larmes. Elle était si émue qu'elle n'arrivait même pas à retenir ses larmes. Voilà la phrase. Elle était si émue qu'elle n'arrivait même pas à retenir ses larmes. En arabe, لقد كانت متأثرة لدرجة أنها لم تستطع مسك أو أن تحبس دموعها. Ému, ça c'est un adjectif, صفة معناها متأثر. Elle était si émue qu'elle n'arrivait même pas à retenir ses larmes. مثلا إذا أردت أن أقول حاولت إقناعهم بالمجيء أو بالحضور معنا ولكن دون جدوى. Oui, très bien. J'ai essayé de les convaincre de venir avec nous, mais en vain. J'ai essayé, يعني حاولت, le verbe essayer, معناه يحاول, le verbe convaincre, معناه يقنع, en vain, يعني بدون جدوى. J'ai essayé de les convaincre de venir avec nous, mais en vain. J'ai essayé de les convaincre de venir avec nous, mais en vain.
autre phrase. أنت لا تعرف أبدا ما الذي ستختلقه بعد. Tu ne sais jamais ce qu'elle va inventer après. Tu ne sais jamais, يعني أنت لا تعرف أبدا. Et le verbe inventer, معناه يختلق. Tu ne sais jamais ce qu'elle va inventer après. Tu ne sais jamais ce qu'elle va inventer après. Une autre phrase, هي انسحبت في آخر لحظة. Oui, très bien. Elle s'est retirée au dernier moment. Elle s'est retirée au dernier moment. On a le verbe se retirer, معناه ينسحب. Elle s'est retirée au dernier moment. Elle s'est retirée au dernier moment. Une autre phrase. حاول أن تقنعها بمساعدتنا أو أن تساعدنا. Oui, très bien. Essaye de la convaincre de nous aider. Essaye de la convaincre de nous aider. Essaye de la convaincre de nous aider. Une autre phrase. هل يزعجك إذا رافقتك أو إذا جئت معك؟ Oui, très bien. Est-ce que ça te gêne si je t'accompagne? Est-ce que ça te gêne si je t'accompagne? On a le verbe gêner, معناه يزعج, et le verbe accompagner, معناه يرافق. Est-ce que ça te gêne si je t'accompagne? Est-ce que ça te gêne si je t'accompagne? Une autre phrase. التقيت به بالصدفة اليوم في مقهى. Je l'ai rencontré par hasard aujourd'hui dans un café. Je l'ai rencontré, يعني التقيت به, par hasard, بالصدفة, aujourd'hui dans un café. Je l'ai rencontré par hasard aujourd'hui dans un café. Une autre phrase. سيحتاج إلى وقت ليعتاد على منزله الجديد. Il aura besoin de temps pour s'habituer à sa nouvelle maison. Il aura besoin de temps pour s'habituer à sa nouvelle maison. Il aura besoin de temps pour s'habituer à sa nouvelle maison. Une autre phrase. أنا لا أريد التدخل أو التورط فيما لا يخصني.
Je ne veux pas me mêler de ce qui me ne me... Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Je ne veux pas me mêler. يعني لا أريد التدخل. On a le verbe se mêler. معناه يتدخل أو يتورط. Ce qui ne me regarde pas. يعني ما لا يخصني. أو فيما لا يخصني. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. Je passerai te chercher à 7h. Essaye d'être à l'heure. Je passerai te chercher à 7h. Essaye d'être à l'heure. Voilà la phrase. Je passerai te chercher à 7h. Essaye d'être à l'heure. يعني سأمر لأخذك مع السابعة. حاول أن تكون في الوقت. Je passerai te chercher. يعني سأتي لأخذك أو سأمر لأخذك. Essaye d'être à l'heure. يعني حاول أن تكون في الوقت. يعني الوقت المحدد. Je passerai te chercher à 7h. Essaye d'être à l'heure. Une autre phrase. Il a interrompu notre conversation sans même rendre compte. Il a interrompu notre conversation sans même rendre compte. Voilà la phrase. Il a interrompu notre conversation sans même rendre compte. En arabe, huwa qata'a hadithana. Il a interrompu, le verbe interrompre, yani yaqta', yani yaqta' hadith ou hiwar. Conversation هي محادثة أو حديث بين شخصين أو أكثر. Sans rendre compte, يعني دون أن يدرك. وقطع حديثنا دون أن يدرك. Il a interrompu notre conversation sans même rendre compte. مثلا إذا أردت أن أقول لقد سئمت من أكاذيبه لن أستمع إليه بعد الآن. Oui, très bien. J'en ai marre de ces mensonges. Je ne l'écouterai plus. J'en ai marre, يعني لقد سئمت, de ces mensonges, يعني من أكاذيبه. Je ne l'écouterai plus, يعني لن أستمع إليه بعد الآن. Ici, on a le verbe écouter, conjugué au futur. On a لدينا فعل يستمع مصرف في المستقبل. J'en ai marre de ces mensonges. Je ne l'écouterai plus. Une autre phrase. من فضلك لا تشتت انتباهي استيقظت مبكرا للعمل. Oui, très bien. S'il te plaît, ne me déconcentre pas. Je me suis réveillée tôt pour travailler. S'il te plaît, ne me déconcentre pas. يعني من فضلك لا تشتت انتباهي. Le verbe se déconcentrer qu'on a قد رأيناه سابقا معناه يشتت الانتباه. Je me suis réveillée. لقد استيقظت. On peut dire aussi je me suis levée. Tôt يعني باكرا أو مبكرا pour travailler للعمل. S'il te plaît, ne me déconcentre pas. Je me suis levée tôt pour travailler. Une autre phrase. بالرغم من نجاحاته العديدة هو يبقى متواضعا أو لا يزال متواضع.
Oui, très bien. Malgré ses nombreuses réussites, il reste modeste. Malgré ses nombreuses réussites, il reste modeste. Malgré, يعني بالرغم أو على الرغم, ses nombreuses réussites, نجاحاته العديدة, réussite هي النجاح, il reste, le verbe rester, معناه يبقى, conjugué au présent de l'indicatif, et l'adjectif modeste, معناه متواضع, نستعمله للمؤنث كذلك للمذكر. Malgré ses nombreuses réussites, il reste modeste. Une autre phrase. سلوكك أو تصرفك وتجاهه أحرجني. Oui, très bien. Ton comportement envers lui m'a embarrassé. Ton comportement, يعني سلوكك أو تصرفك envers lui, اتجاهه, m'a embarrassé, le verbe embarrasser, كنا قد رأيناه سابقا, معناه يحرج, يعني gêné. Ton comportement envers lui m'a embarrassé. Ton comportement envers lui m'a embarrassé. Une autre phrase. ولا يعترف بخطئه. Oui, très bien. Il n'admet pas son erreur. Il n'admet pas son erreur. Il n'admet pas, ça c'est le verbe admettre, conjugué au présent de l'indicatif, un verbe de troisième groupe, فعل, من المجموعة الثالثة, معناه يعترف, يعني يقر, يقر بشيء ما. Il n'admet pas son erreur. Une autre phrase. هو يستفزك وأنت تسمح له بالقيام بذلك أو بفعل ذلك. كيف نعبر عن هذه الجملة أصدقائي؟ تذكرون فعل يستفز كنا قد رأيناه سابقا. Oui, très bien. Il te provoque et tu le laisses faire. Il te provoque et tu le laisses faire. Le premier verbe, c'est le verbe provoquer, conjugué au présent de l'indicatif, معناه يستفز. Et le verbe laisser, tu le laisses, معناه يترك, قد يعني كذلك يسمح. Et le verbe faire, معناه يقوم أو يفعل. Il te provoque et tu le laisses faire. Une autre phrase. لقد أدركت أنني كنت مخطئا. Oui, très bien. Je me suis rendu compte que j'avais tort. Je me suis rendu compte que j'avais tort. Je me suis rendu compte que j'avais tort. Une autre phrase. مكالمته المتأخرة يعني متأخرة من الليل أيقظتني. Oui, très bien. Son appel tardif m'a réveillé. Son appel tardif m'a réveillé. Son appel, يعني مكالمته, tardif, يعني متأخرة. Pour le féminin, on dit tardive, tardive. M'a réveillé, يعني أيقظتني. Le verbe réveiller, معناه يوقظ. Son appel tardif m'a réveillé.
Une autre phrase. أنا لم أكن أتوقع أن أراك في مثل هذا المكان. Oui, très bien. Je ne m'attendais pas à te voir dans un endroit pareil. Je ne m'attendais pas à te voir dans un endroit pareil. Le premier verbe, c'est le verbe attendre. معناه ينتظر قد يعني كذلك يتوقع كما في هذه الجملة. Un endroit pareil, يعني في مثل هذا المكان. Je ne m'attendais pas à te voir dans un endroit pareil. Une autre phrase. أنا لا أوجه الكلام إليك. Oui, très bien. Je ne t'adresse pas la parole. Je ne t'adresse pas la parole. On a le verbe adresser, معناه يوجه. Je ne t'adresse pas la parole. أنا بحاجة لكسب المزيد من المال. ليس لدي ما يكفي الآن. كيف نعبر عن هذه الجملة أصدقائي؟ Oui, très bien. J'ai besoin de gagner plus d'argent. Je n'en ai pas assez maintenant. J'ai besoin de gagner plus d'argent. Je n'en ai pas assez maintenant. J'ai besoin de gagner plus d'argent. Je n'en ai pas assez maintenant. Une autre phrase. أنا سأتصل به وأسأله متى سيعود. Oui, très bien. Je vais lui téléphoner et lui demander quand est-ce qu'il va rentrer. Je vais lui téléphoner et lui demander quand est-ce qu'il va rentrer. On peut dire aussi, je vais l'appeler et lui demander quand est-ce qu'il va rentrer. Je vais l'appeler et lui demander quand est-ce qu'il va rentrer, c'est la même chose. جملة أخرى. فتشت غرفتي بأكملها. لكنني لم أعثر على هاتفي. تذكرون أصدقائي فعل يفتش يعني يبحث كنا قد رأيناه سابقا Oui, très bien. J'ai fouillé toute ma chambre, mais je n'ai pas retrouvé mon téléphone. J'ai fouillé toute ma chambre, mais je n'ai pas retrouvé mon téléphone. Le premier verbe, c'est le verbe fouiller, معناه يفتش, conjugué au passé composé. Aussi, on a le verbe retrouver, معناه يعثر. J'ai fouillé toute ma chambre, mais je n'ai pas retrouvé mon téléphone. Une autre phrase. أنا أقوم بهذا العمل كل يوم دون أن أشتكي أو بدون شكوى. Oui, très bien. Je fais ce travail tous les jours sans me plaindre. Je fais ce travail tous les jours sans me plaindre. Je fais ce travail tous les jours sans me plaindre.
الآن إذا أردت أن أقول هو غير جدير بالثقة، تذكرون صفة جدير بالثقة كنا قد رأيناها سابقا، الآن لدينا العكس يعني غير جدير بالثقة. Oui, très bien. Il est indigne de confiance. Il est indigne de confiance. Indigne, يعني غير جدير بالثقة. عكسها digne de confiance, يعني جدير بالثقة. Digne, يعني جدير. Indigne, يعني العكس, غير جدير. Il est indigne de confiance. Il est indigne de confiance. جملة أخرى سامية وفاطمة دائما معا لا يفترقان أبدا Oui, très bien. سامية et Fatima sont toujours ensemble. Elles ne se séparent jamais. Samia et Fatima sont toujours ensemble. Elles ne se séparent jamais. On a le verbe se séparer, معناه يفترق. Samia et Fatima sont toujours ensemble. Elles ne se séparent jamais. الآن إذا أردت أن أقول أنا أعمل هنا منذ أن تركت المدرسة. جملة سهلة جدا أصدقائي. Oui, très bien. Je travaille ici depuis que j'ai quitté l'école. Je travaille ici depuis que j'ai quitté l'école. Je travaille ici depuis que j'ai quitté l'école. Une autre phrase, هو يبذل جهودا لتعلم لغة جديدة. يبذل يعني يقوم. Oui, très bien. Il fait des efforts pour apprendre une nouvelle langue. Il fait des efforts pour apprendre une nouvelle langue. Il fait des efforts pour apprendre une nouvelle langue. الآن إذا أردت أن أقول أنا لم أعثر على مفاتيحي في كل هذه الفوضى. تذكرون أصدقائي كلمة فوضى كيف نعبر عنها؟ كنا قد رأيناها سابقا. Oui, très bien. Je ne retrouve pas mes clés dans tout ce fouillis. Je ne retrouve pas mes clés dans tout ce fouillis. Fouillis signifie grand désordre, yani fauda kabira. Je ne retrouve pas mes clés dans tout ce fouillis. On peut dire aussi, je ne retrouve pas mes clés dans tout ce bazar. Je ne retrouve pas mes clés dans tout ce bazar. Bazar signifie aussi un grand désordre, yani fauda kabira. Je ne retrouve pas mes clés dans tout ce bazar. Une autre phrase. توقف عن إخباري بما كان يجب أن أفعله. Oui, très bien. Arrête de me dire ce que j'aurais dû faire.
Arrête de me dire ce que j'aurais dû faire. Arrête de me dire ce que j'aurais dû faire. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال اليوم يقول لا تقلق سوف يتصل بك عندما يصل كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم